Bonsoir la famille et bienvenue dans cette petite vidéo. La famille, je suis là aujourd'hui pour vous annoncer cette petite nouvelle, cette très très bonne nouvelle concernant le cas de notre frère Haji Le King. Comme ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, Haji Le King vient d'être libéré, ce qui veut dire qu'il est libre, il est rentré chez lui. L'annonce est faite par notre frère du côté de Dakar au Sénégal, Paikoun Sarré, dont je vous invite à l'écouter. J'espère que tout le monde se porte bien. Et partager cette bonne nouvelle avec vous, hein, et tapoter au maximum possible pour que tout le monde soit au courant de cette bonne nouvelle qui vient de tomber tout à l'heure. En vous informant, notre cher ami, notre combattant, Djibril Haji Le King, est libéré définitivement. Donc, je remercie l'autorité sénégalaise, je remercie tous les avocats, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu. Je remercie Son Excellence le Président de la République, Président Diomaye Faye. Et je remercie le Premier ministre, chef de gouvernement, Son Excellence Ousmane Sonko, qui a appuyé fort sur cette affaire, qui a montré que la justice sénégalaise est indépendante. Donc, c'est ça même. Djibril Haji Le King est libéré. En passage, je salue mon avocat, Maître Kane. Voilà, je salue les magistrats, je salue tout le monde, je salue toutes les personnes qui ont soutenu, surtout les personnes qui ont appelé, qui avaient une attente de bonne réponse. Merci à tous. Cet message, c'est vous passer ça en vous disant qu'aujourd'hui, nous sommes très contents parce que tout à coup, ils voulaient tout simplement accuser cette frère et les renvoyer en Guinée. Donc, c'est pas marché avec les CNRD. Alors, pour vous dire que le gouvernement guinéen était un gouvernement mal intentionné, qui veut juste nous prendre en otage, qui voulait nous intimider devant les institutions, en nous accusant, en nous dire n'importe quoi. Alors, chers compatriotes, je vous avais dit ça, mignon. Je vous avais dit ça. Donc, opinion nationale et internationale, Haray Djibril Haji Le King, au Atitama, liberté ma kongande woni ko wadi, ender Dakar do heutiti ka bengure ma konden, o heutiti ka fami ma kon, Inch'Allah, Haray do wa jenta de RFI à partir de 18h, Maître Kane, l'avocat international, o wadai annonce, Haray Kadi Djibril, Noël Tani, soutien bébé fop, yotu bébé fop, wakili bébé ko ben fi ma ko fop, Haray on fou on jarama, ko do wadi si mignon, l'union fait la force. Hande Djibril no welti mo woni free o andi way wana kanko tun are jama fop no baw mako o foy do weltana surtout la Guinée tong ande ji ko lu donc un programme ji di wa don din surtout soutien ji din sans oublier toute personne surtout mawbe men wombe ben kadi kasare do rewbe ben fop sans oublier Kaou qui a fait un grand travail et sans oublier tous les avocats enfin et mes pros aussi qui m'ont assisté qui ont travaillé à l'ombre. Voilà, le CNRD a compris, ça ne marche pas. Je vous avais dit ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui à partir de 20h, comme on le dit. Toujours, il y a tous les noms de blogueurs qui sont cités là-bas. Donc, je demande aux blogueurs d'être vigilants, d'être prudents, souvent. Donc, être en contact avec tout le monde. Allez, quand vous êtes en contact, vous faites un nom pour tout le monde. Fiordoni, mi doka mazida wal maudo. Den joki a jo amengoi, haime. Hande ko fête nationale. Hande ko fête nationale. Awa ya e vion. Be wono be signina de jala. Fala no be yo Djibril Haji Le King na tela gine awa wa chitama. Ya e wola no be du. Onong e fenta fena mongong. Onong e birdi birdi mongong. Hein? Regardez ça aujourd'hui. Il est libéré. Interpol, Interpol, un gars, quoi, Interpol. Eh, non, franchement, CNRD a respecté. Ils ont compris que ça ne marche pas. Kodouadi, il est Weltani président de la République. Son Excellence Bassirou Diakhaï Diomaye. Donc, Weltani Denkadi, premier ministre, chef de gouvernement, surtout gouvernement sénégalais, magistrat et avocat, surtout Kadi Weltani de Maître Kane. Et quand il y a une famille de Djibril, il faut qu'il y ait surtout quand il y a une tante Binta,
emoko babe ben foka sare do wakili ben dari woni determiné fi tanjagu nyibu e hore meden so yi ande e dun do wawi wonde wana fi na fi harai harai lamugo ngala dole ko woni e si gonga kam mem mina mare mo kala no andi gonga mo andi ko woni fenande donc harai fop no weltana wana paiku wana maudo ko mi wadiri o video do ko humputu golon parce que harai buino humpa don andi anki mi andi no min nion kange pute foka ka kaka lady irtete kono si pesama valer jidi wana gotum ko do wadi simino non deo debi meden acci fo e jungo alla fop no e jungo alla ay ko alla woni wallo ko alla woni ballo ko alla jogiti piji din fo e be fama tano be jabali famude kono hande e famo be fami gonga woni fi fo donc haray fop no weltana e gagno peppai ti alla lan don jabi haray ko do woni derton dun ko dun wana ko e ba mena na basinyama be bi basinyama e be ye ko be fala kon donc haray min ko dun tumi mari ko mi yewta opinion national international tonye en jagu stratégie machiavélique mo CNRD prépare contre peuple long dun ko ma wali ne sur table fop anda parce que wa wonde e ore tonye e ore jagu e ore fenande jonnon jeja nobe jabali yewta nobe sali fo hettai ko min ko mi andi me weltani ke fo men nata dal le détail wala ngolon ko dun do fetti wala ko dun do parce que ça cet combat c'est pour le grand homme c'est pas pour le petit homme donc au combat do na combat sama kalaje ko combat grand homme ni tawa wakadi et c'était reconnu par tout le monde et alhamdoulillah rabbil alamin hare ko du wonder ton inshallah lan don jabi e yida be ngure makko de yide nge makko kadi asitay o watta yewtere ay fuyi kono joni avocat be no jogiti murandu hare ko dum mi falno ngandintinde. Voilà, vous avez compris, l'information est confirmée, notre frère, il est rentré chez lui. Ce qui veut dire, il ne va jamais être extradé en Guinée. Ça y est, c'est fini. Ses ennuis sont maintenant derrière lui. Et on tient à remercier toutes les personnes vraiment qui ont soutenu le frère et surtout à ses avocats, aux autorités sénégalaises. Vraiment, on a compris que le Sénégal, c'est un état de droit. Ça, on nous a vraiment montré ça dans cette affaire. Alors, je tiens à dire à tout le monde de faire très très attention parce que sur ces réseaux sociaux, il faut vraiment qu'on essaye de faire très très attention à ce qu'on doit dire ou bien à même à des personnes qui se présentent devant nous comme des amis. Il faut vraiment se méfier parce qu'il y a d'autres qui sont proches de nous mais qui veulent toujours notre échec. Alors là, on doit vraiment, vraiment remercier le bon Dieu, car imaginez si notre frère rentrait en Guinée. Vraiment, on ne saura jamais ce qui allait se passer. Vraiment, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, parce qu'il est sorti, il est libre maintenant. Vraiment, remercions tout le monde et puis encore, on tient à remercier les autorités sénégalaises. Vraiment, le Sénégal, c'est un pays d'exemple. Souhaitons ça aussi pour notre belle nation qui est la Guinée. Car la Guinée, c'est un beau pays. La Guinée, on a tout. Le pays, il y a tout. Mais que Dieu nous donne vraiment des personnes qui ont vraiment le souci de l'avenir, le souci de développement de cette belle nation. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Thank you.